Il n'y a rien de plus paisible qu'une matinée à se balancer à travers le parc. Je veux pas jouer avec ton camion, je préfère mon dinosaure. Ton dinosaure? Pas question. Ah, j'ai parlé trop vite. Alors je jouerai pas avec toi. Ah bah moi non plus. Vous savez, c'est normal de pas toujours être d'accord, mais trouver une solution qui vous satisfera tous les deux, ça peut être très amusant. J'ai appris ça à la fois où Spider Girl et moi, on a dû affronter ensemble le super vilain Electro. J'adore me balancer au soleil, mais... C'est vrai qu'il fait chaud. Pose cornet de glace. C'est ce que j'allais te proposer. Je vois que les grands esprits se rencontrent. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? On va prendre 2 cornets de glace au chocolat. Non, attendez, au chocolat? Non, excuse-moi, Spider-Man, mais je trouve que la vanille est bien meilleure, c'est beaucoup plus raffiné. Tu trouves? Mais tout le monde sait que le chocolat est le meilleur parfum depuis que les glaces existent. Panne de courant? Non, c'est la seule boutique de la rue qui soit dans le noir. Allons vérifier les fusibles. Le compteur électrique est complètement grillé. Il faut une énorme surtension pour provoquer ça. Et j'imagine qu'elle n'est pas survenue par accident. Suivons les traces de brûlure. E pour électro. Ce super vilain survolté signe toujours ses méfaits. Attrapons-le. Waouh. Je pense qu'on devrait d'abord remettre le courant ici, ou toute la glace qui est au congélateur va fondre. Il risque de perdre énormément de clients. Mais Electro peut couper le courant chez d'autres marchands de glace. Je crois qu'il faut le capturer d'abord. Et moi, je te dis qu'il faut remettre le courant ici. Sinon, toutes les glaces vont fondre. Le glacier de Main Street et celui de Downtown sont aussi en panne d'électricité. Puisqu'on n'est pas d'accord, on devrait se séparer. J'avais raison. Si je veux trouver Electro, je n'ai qu'à suivre les traces de brûlure et les ampoules explosées. Ça y est, j'ai été chez les 2 autres glaciers et j'ai réparé leur compteur. Je n'ai plus qu'à intervenir chez celui de Central City. On dirait qu'un vilain très étourdi a laissé la porte ouverte pour me faciliter la tâche. Ah, pris la main dans le compteur. Arrête, Electro. Alors, on travaille de nouveau ensemble, Spidey? Les grands esprits se rencontrent. Hé, hey, Electro, c'est quoi ton problème? T'aimes pas les glaces? C'est pourtant délicieux, qu'est-ce que tu leur reproches, hein? Elles fondent! L'énergie que je dégage les transforme en eau entre mes mains. Et si je ne peux pas manger de glace délicieuse, personne n'en mangera! T'as qu'à prendre des milkshakes. À force de se disputer pour savoir ce qu'on allait faire, on a failli perdre tous les glaciers de la ville. Mais en se séparant, on a fini par trouver une solution qui était satisfaisante pour nous deux. Oui. Allez, Spidey, je t'offre une glace. Tu veux quel parfum? Chocolat? Non, je crois que je vais prendre une boule de fraise. C'est mon autre parfum préféré. Le mien aussi. Regardez, grâce à leur camion, les ouvriers ont construit un pont pour le dinosaure. Pas mal comme compromis. Merci, mademoiselle Bulldozer. Tout le plaisir est pour moi, Triceratops. Les gens ne sont pas toujours d'accord, mais quand on trouve un compromis, tout le monde est content. Oui, ça c'est sûr. T'as raison, Spider-Man.